Bon, maintenant nous allons aller voir notre président, le président de Kamalfa. Oh, il est là. Il est là, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très, très bien. Alors, on est en train de faire un petit film qui concerne Kamalfa. D'accord. Et vous, en tant que président, bon, ben, vous êtes une personne importante ici, là, de Kamalfa. Mm-hmm. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous présenter, puis on verra par la suite. D'accord, je suis Lassina Bamba, alors président de Kamalfa. Alors, cette ONG qui a pour ambition de faire en sorte que l'Afrique bouge. Alors, donc, je suis content d'être un artisan de ce mécanisme-là. Parce que Kamalfa a pour préoccupation d'éduquer les populations d'Afrique. Alors, étant justement à la tête d'une structure comme Kamalfa, c'est une joie incommensurable. Et donc, Lassina Bamba est très content de participer à ce projet. Et vous êtes avec nous depuis combien de temps à peu près, Monsieur Bamba? Alors, j'ai rencontré Vital et Denise à Loro Furuso, je vais dire en 2015. Ah, yeah, ok. Alors, ce fut une rencontre passionnante. Dès les premières minutes, j'ai vu qu'ils étaient dans une mission pour faire sortir l'Afrique des difficultés. Et donc, j'ai eu juste envie de les accompagner à cette noble mission. Et donc, dans un premier temps, la collaboration a commencé par des petits voyages à Ouagadougou. Alors, pour voir un tout petit peu comment Kamalfa peut avoir une convention officielle avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, c'était tout à fait désintéressé parce que j'étais moi-même dans la mission. Alors, j'étais content de savoir que Kamalfa puisse être en phase avec l'administration publique du Burkina Faso. Super. Alors, à l'issue de ces missions, Kamalfa a pu effectivement obtenir sa convention. Et Lassina Bamba a eu une proposition de Vital et Denise pour venir travailler à l'intérieur de Kamalfa, dans un premier temps comme coordonnateur. Mm-hmm. Et donc, j'ai continué avec mes missions de lobbying. Alors, beaucoup de rencontres avec le ministère, avec toutes les institutions qui ont la charge de l'éducation. Et par la suite, Lassina Bamba a été confirmé comme président alors, de Kamalfa en lieu et place de Pierre Balduc. Alors donc, c'est une mission que j'assure depuis un bout de temps. Et donc, Monsieur Vital et Denise sont en train de faire le retour du Canada. Nous avons un pincement au cœur. Parce que ce sont de grandes personnes, de grands personnages. Des gens qui ont un cœur, un grand cœur pour l'Afrique. Parce qu'ils sont venus pour une mission humanitaire. Et donc, une mission humanitaire au profit des enfants de l'Afrique. Ils ont laissé de la famille là-bas pour venir développer l'avenir des enfants de l'Afrique. C'est ça qui me permet de dire que c'est un grand cœur. Et aussi, pendant tout le temps où nous avons travaillé avec Vital et Denise, en fait, ça dit, c'est agréable d'être avec eux, ils te mettent en confiance. Alors, c'est convivial d'être avec eux tout court. Donc, je voudrais profiter du micro pour dire bonjour à leur famille, pour dire bonjour à tous ceux qui les entourent au Canada, pour dire que ce sont des humanitaires qui sont venus nous aider ici. Et nous n'avons pas de mots pour traduire notre satisfaction. Donc, quand on contribue à faire bouger l'humanité, on est un grand personnage. Et donc, c'est ce mot que nous avons pour leur famille, pour leur dire combien nous avons été touchés de travailler avec eux. Alors, vraiment, on n'a pas de mots pour traduire ce que nous ressentons. Nous nous contentons de dire un merci. Un merci à Vital, un merci à Denise. Eh bien, M. Bamba, un gros merci à vous-même, merci. Parce que nous sommes très fiers aussi de vous avoir comme président. Merci. Et comme représentant, je sais que vous vous êtes promené un peu partout, merci, dans les grands centres pour nous faire connaître. Et vraiment, vous avez semé ce qu'on appelle le germe de Kamalfa un peu partout. Merci. Alors, ce germe-là, bien sûr, va finir par grandir. Et Kamalfa va finir par prendre sa place.
Alors, Monsieur Bamba, je vous remercie, je vous félicite pour tout le travail fait. Et on est très heureux de vous avoir. À toi. Voilà. Félicitations, Monsieur Bamba. Félicitations. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, Denise. Merci infiniment. Les mots me manquent, Denise, pour vous dire combien on a été touchés. Vous avez contacté trois ministres de l'éducation, M. Bamba. Vous avez vu toutes les structures du monde de l'éducation au Burkina Faso. Le département de recherche et innovation, la mairie, tous les niveaux ont été vus. Tout à fait. Félicitations. Mais Denise, la restance apportera. Merci beaucoup. Les mots me manquent, je ne peux plus parler. Merci. Un gros merci, M. Bamba. Merci, Vitalin.